110 ans d'existence, 101e édition, le Provençal est de retour dans les allées du Parc Borély samedi 21 juillet pour une semaine consacrée à la longue distance. L'occasion pour l'organisateur La Provence et son partenaire principal, le département des Bouches-du-Rhône, d'adresser leurs vœux de réussite à la compétition. L'année dernière, on a fait une première édition après une interruption. Cette année, c'est la deuxième. On s'est doté d'un parrain prestigieux, en la personne de Patrick Bosseau et d'un directeur sportif avec Gérard Poncier, justement, pour la pérenniser dans le temps et en accord avec le conseil départemental et notre présidente Martine Vassal pour que cette prédiction perdure et qu'elle soit de mieux en mieux tous les ans. C'est important d'être là, quoi. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Des anecdotes, j'en ai 50, quoi. J'ai récupéré des boules d'un vainqueur par exemple, j'étais ravi. Donc je suis parti en courant, j'étais tellement ravi que j'ai jonglé avec. Et il y en a une qui a atterri sur le capot de la voiture de mon pote qui venait d'acheter, elle était toute neuve. Et je crois qu'il me court encore après, donc là je vais repartir, parce que ça fait 20 ans qu'il me court après à cause de ça. Mais sinon, non, c'était des belles parties, c'est un moment dans l'été que je savoure, que j'adore, c'est un rendez-vous avec les autres et avec moi-même. Le Provençal, c'est aussi ses multiples vainqueurs, année après année, qui reviennent tenter leur chance, mais surtout profiter de cette ambiance conviviale. La même équipe. La même équipe, évidemment, oui. La même équipe. Et elle n'a pas pu se libérer. Du fait d'avoir gagné l'année passée, on est d'office invité par le concours. C'est une fête et on veut participer à cette fête. Après, gagner, perdu, on s'en fout pratiquement, pourvu qu'on puisse participer et se régaler. Pas moins de 3000 joueurs sont attendus dès le 21 juillet pour partager la passion du jeu provençal.